Moi, je suis Sandrine Nicolas, je suis coordinatrice du dispositif Prépa Projet sur le site LPS de Brest. Dans nos différents dispositifs d'orientation, on accompagne des personnes dans la construction de leur projet professionnel. C'est toute la phase d'orientation, d'exploration, à la recherche d'un métier compatible avec leurs envies, le marché de l'emploi et voilà les différents critères qu'ils nous donnent. Dans leur projet. On va systématiquement au BIJ, et ça fait des années que le CLPS travaille avec le BIJ, parce que c'est un lieu important de ressources papier. Voilà, c'est un centre de documentation professionnelle, donc même si nous on a des ressources au CLPS, au BIJ les ressources sont à jour. C'est aussi un point de repère pour les stagiaires, c'est-à-dire que quand ils seront sortis d'un dispositif tel que le nôtre d'accompagnement où finalement on a du lien régulièrement tout au long d'un parcours qui va de 3 jusqu'à 6 mois, ils nous identifient comme des personnes ressources. Et là, le BIJ, on sait déjà que c'est ouvert régulièrement, qu'ils ont accès à Internet, qu'ils vont avoir accès à des supports pour faire lettres, CV, rechercher des formations. Et surtout, le conseil et l'accompagnement de Karine et de Delphine qui nous accueillent et qui créent aussi le lien pour que les stagiaires reviennent derrière. Alors sur 2019, on a eu pas loin de 200 personnes à aller au BIJ. On va en accueil de groupe à chaque nouveau groupe. Alors quand c'était la POP, c'était vraiment des groupes où à chaque atelier découverte secteur, quand les stagiaires recherchent un nouveau métier, on y va. On a travaillé sur des séances Explorama. Donc, ce sont des séances qui permettent aux stagiaires aussi de choisir à partir de planches photographiques des idées de métier, de secteur. Et donc, c'est riche parce qu'il y a un échange soit entre les stagiaires, soit avec Delphine ou Karine et les stagiaires, et avec nous aussi. Et sur l'échange, c'est intéressant parce que la vision est la même en termes d'orientation et de conseils. Et ça permet aussi aux stagiaires d'avoir une autre vision que celle des formateurs. Parce qu'au bout d'un moment, nous, on leur dit des choses et puis voilà, ça n'a pas le même sens que quand une personne qu'ils ne connaissent pas leur dise la même chose que ce que nous, on leur dit. Après, on met un point d'honneur aussi à aller au forum des jobs d'été. Puisque dans le parcours, certains stagiaires souhaitent travailler entre le moment où ils finissent avec nous et où ils vont pouvoir rentrer en formation. Donc, c'est vrai qu'on utilise cet outil-là. Et après, on utilise aussi beaucoup le site avec les annonces d'emploi.